Et voilà les amis, je vous montre dans cette petite vidéo la couture de ma petite rose. Et en même temps, je vous montre la laine, plutôt du coton, parce que je pense que c'est tout du coton, les petits cotons que j'ai autour de moi et qui existent aussi en d'autres couleurs, la mimosa qui se crochette avec du 3,5 et des petites pelotes d'1,60 m et 100 g de coton et 24% de rayon. ...76% de coton. Et elle, la petite pelote, elle existe la même en bleu. Et aussi en rose, comme je vous ai montré. La petite, plutôt la grosse rose, sur une vidéo précédente, ici, et avec le petit coton ici, Catania, je vous ai crocheté l'autre rose, ici, terminé, la grande rose rose. Et que je vous avais dit que je vous remontrerai dans une prochaine vidéo. Et en même temps, ma petite décoration de toutes les roses créées et déjà montrées. Et ici, la rose que j'ai créée en petite, je l'ai refaite en gros. La même couture et elle est plus grosse. Pourquoi? Parce que la laine est beaucoup plus grosse. Et les toutes petites que je vous ai déjà montrées avant. Et voilà, je vais vous montrer la petite rose. Il y en a une qui est déjà cousue. C'est exactement la même que celle-là. Et je vais vous la crocheter en rose mimosa, pétillant, avec un beau fil brillant. Et alors, la petite rose, celle-ci, est la même que celle-là. Et alors, je l'avais laissée défaite pour vous montrer la nouvelle couture de ma nouvelle petite rose. Voilà.
Et le petit fil ici a rentré. Le plus petit et le plus grand pour coudre la petite rose. Et je vous reprends dans une prochaine vidéo. La petite rose. Rose.